Allez, c'est parti, le combat contre Nappa. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, j'ai une petite coup comme ça, on va s'énerver. Alors ça, ça va être en forme ultime. J'ai une petite même. J'ai une petite caméra. Voilà, histoire. On va lâcher un peu d'énergie là. Oh bah il va s'énerver. Tiens, mange. Et là, Chikamea. Oh, c'est magnifique. Cet enchaînement il est beau. Je suis fatigué. Oh yeah yeah, ça c'est pas bon, ça ça pue. Ça ça pue. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, tranquille. Je suis loin. Là c'est bon ça, un petit caméa. On retire le Juki. Il a pas l'air trop fort. Un petit caméa encore. Je suis en train de l'enchaîner. Comment. Ah n'a pas. Il n'a pas fait le poids. LOL. MDR. C'est drôle, non? Ok. Ah là le vrai combat commence. Nappa c'était juste une mise en bouche. Ok, on se déplace. La transforme Kaioken Zongu. Ah, ça c'est bon ça, Kaioken. Alors, comment on fait? À partir d'une certaine étape dans l'histoire, tu accéderas à la transformation. Pour te transformer, ouvre la palette de transformation. C'est intéressant ça. LT plus RT. Et appuie sur B, A, X ou Y pour que ça soit assigné à cet emplacement. Transformation augmente grandement tes stats, mais siphonne tes PV et ton ki. Ce qui est. Ah. Ce que tu disais au moment du combat. Ok. Palette de transformation, c'est quoi en fait? C'est quoi ça? Attends. Attends, j'essaie de voler là. Attends. Je sais pas où on est. Faut peut-être suivre le point d'exclamation. Il y a un rouge là, il y a une couronne rouge là, je sais pas si c'est un méchant. Ah, c'est là-bas. J'ai rien eu, hein. Je sais absolument pas ce qu'il a dit tout à l'heure, j'y dis pas. Le syndrome GTA. Des jeux qui sont pas en français, que tu es obligé de dire quand tu conduis. Kisama no yoni yowai hoshi e okurikomareru no da. Yōsuru ni kisama wa ochikoborē da. Ochikoborē da tte hissi ni doruku suri ya elite o koeru koto ga aru kamo yo.
面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。Comme on dit, jamais 203. Ça fait la troisième. En fait, l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est d'avoir utilisé Kaioken. Je pense que c'est d'avoir utilisé Kaioken. J'aurais jamais dû. Oh putain! Ah! Ça commence très très mal. Le Kaioken consomme trop d'énergie. Ok, on détruit les rochers, c'est pas grave, c'est que des rochers. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon non plus, hein. Ok. Ok, Vegeta, il est très 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 énervé. Vegeta est très très chaud. Ça change de Nappa, hein. On n'est pas dans, dans la même facilité que quand on n'a pas là. Ok. T'inquiète pas, là, là faut pas le laisser faire. Là. Faut surtout pas le laisser faire. Un petit suivi. Voilà, une petite droite dans la tête là. Non mais c'est il est Vegeta est trop chaud. Vegeta est vraiment très très chaud. Bon ça ça va, c'est facile d'esquiver mais le reste c'est tellement dur. On va refaire son attaque. Et... Ah mais... Il m'a eu. Mais c'est pas possible, franchement. Franchement, Vegeta est dur. Hein. Pas utiliser le Kaioken, mais ça va me... Ça va me... Bouffer ma mon énergie. Le Kaioken c'est un consommateur d'énergie, c'est pas bon ça. Ça je préfère ça déjà. Ah, je spam X les gars. Oh je l'ai eu. Raté. Raté, raté, c'est bon. Change un peu. Ok, là, là, faut l'envoyer là. Oh, il est énervé. Ça, c'est une nouvelle attaque. On va esquiver. Oh, celui-là, il est hard, celui-là. Qu'est-ce qu'il est dur à éviter, lui? Quoi? Mais, putain, j'étais en train de lire! J'étais en train de lire! Mais lui, il est chaud, Vegeta, c'est abusé! C'est abusé, c'est abusé! Il est trop chaud, Vegeta! Oh là là, qu'est-ce qu'il est chaud. C'est moi qui charge mon ki déjà. Kamea, vas-y, vas-y vite. Ah ouais, mais trop long. Trop trop long. J'ai mis des petites droites à bout pourtant. Allez.
On esquive. Ah, il s'énerve. Là il est en mode. En mode ultra énervé. Attends. Ok. On va faire que ça. On va esquiver. On va Kamea. Dès qu'il s'arrête. Là je suis bloqué par le rocher. J'étais bloqué par un rocher. Sérieusement. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il était dur ce combat. Rambé, ah ouais, Rambé, on s'en fout du rang. C'est pas très grave, Rambé, l'important c'est de le battre. Enfin, de le battre. De gagner ce combat. Non, maintenant c'est le combat contre Vegeta Singe là. Oh là là, il a créé la fausse lune. Oh là là, ça va. Ok, tranquille. J'ai repris la vie au moins, c'est déjà pas mal. On va faire que des caméras. Hein. On va faire que ça. Ok, si la caméra veut bien viser, on le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oh bon. On va faire que ça les gars, Luigi. Esquive et caméra. Voilà, ça va être ça le combat. Donc là, esquive, bien sûr. Donc je recharge un peu le ki, tranquille. Ça va être le combat épique. Il prend des dégâts, hein, on est d'accord. Hein. Attention! Vite! Oh. Mais non, il met. Ah, par contre, tout le monde, c'est un coup là. Reste pas au sol. Là. Ok, à chaque fois que je fais un caméra, il saute aussi, lui. Ah oui, il est malin, ce Vegeta, là. Voilà, saute pas. Quand je te caméra, saute pas. Ok, super. Vite. Oh, putain.
le chaos là-bas. J'ai l'impression qu'il est KO, non? Prendre des dégâts là ou pas? Pourquoi ça ralentit en fait? Des fois je comprends pas. Je comprends pas ce jeu. Des fois il y avait ralenti, je comprends pas. Mais il prend pas de dégâts là? Mais il a pris 0 dégâts depuis tout à l'heure en fait. Là il prend un peu là. Il casse le rocher, merci. Mais là il prend rien. Je suis trop loin en fait. Ok. Encore à corps, il n'a pas d'utilité contre ce singe géant. Par contre, des caméras. Vite, 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 vite. Ah, c'est trop long. Ok, ok. Ok, il m'envoie les cris de singe. Les cris de singe, je souffre. On est d'accord. Faut attendre qu'il crie en fait. Voilà, faut attendre qu'il envoie son truc. Et là, je le contre. Mais je suis trop loin. Ah, mais non, mais je suis trop loin. Mais c'est nul ça. On va charger. Et on envoie une caméra. Voilà. Encore. On est vite, tranquille, on est vite. Par derrière. Une petite grillade. Et voilà. On a grillé le gros singe. Bon. Ça va, il était beaucoup plus simple que la forme normale de Vegeta. Rien à voir. Rien à voir. La difficulté, ça n'a rien à voir. C'est hyper mal dosé pour le coup là. Le Vegeta simple était beaucoup plus fort que celui-là, c'est incroyable. Maintenant, celui-là, il n'y avait que des caméas à faire et esquiver, donc c'était plutôt simple. Ah, mais c'est pas fini. Eh oui. Ça me paraissait trop simple, en fait. C'est pas fini. Tout sauf un QTE, s'il te plaît, le jeu. J'espère qu'il n'y a pas de QTE. Augmenter la protéine de puissance au déveil. てるだろうが、亀ハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。 Alors, l'attaque spéciale Kienzan de Krillin est désormais disponible. On accélère. On accélère. Ah, les petits. Oh, il y a un rouge là. On va l'éviter. Ok. On va lui couper la queue comme dans l'animé en fait. Logique.
父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、剣山じゃあ。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。Eh oui, il y a Jérôme, bien sûr. Pas beaucoup de vie Vegeta, mais c'est Sangoten, Sangwan, pardon. Sangwan, ah, c'est bientôt fini. Voilà, c'est bon. Je veux dire, c'est Sangwan, il est pas forcément très fort, mais Vegeta avait très peu de vie. Ça, c'est cool. Ouais, ils n'ont pas rechargé la vie à fond non plus.俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。
随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。Du titre. Waouh. Voilà, Son Gohan Vegeta Total S. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. Il y a eu du B, combo max. Ouais, j'ai toujours eu du B en combo max. Bon, c'est pas très grave. Ça se regarde vraiment comme un dessin animé, en fait, ce jeu. Ça se regarde comme, comme l'animé. Voilà, c'est exactement comme dans l'anime. Même chose. C'est bien ça. Ils ont gardé la trame. わがままを言う資格があるさ今の地球があるのも 悟空のおかげだだけどいいな悟空今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。よく覚えておけよゴミども今度は貴様らに奇跡はないぞ。 せいぜい楽しんで おくんだな。 À chaque fois, ils arrivent en fin de combat, eux. Dès que le combat est fini, ils arrivent. Maître Karin aussi. Bulma-san, Yamcha-san,
俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん、泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。C'est marrant, ça mettait le générique là avec les doubleurs. Il y avait les doubleurs tout à l'heure en haut à droite. C'est bizarre qu'ils le mettent à ce moment du jeu. Ah, parce que c'est l'épisode défini. Oula, Goku! Vegeta, ton attaque de Piccolo, t'as qu'à Shinjimata. Dragon Ball, mon qui est maté. Motale, moi, qui kéréné. Kamisama no Kokyo. Namek, c'est ni mot Dragon Ball, arte Hanashidaga. Son attaque, toi, y a Pikainda.次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。 OK d'accord, c'est sympa, c'est bien, c'est sympa fait comme ça. Ouais, ça c'est sympa, j'aime bien.Et c'est ainsi qu'au prix de lourds sacrifices, Son Goku et les autres repoussèrent les Saiyans. Victime de blessures graves, Son Goku resta en soins intensifs. Son Gohan, quant à lui, se rétablit complètement en quelques jours à peine. Maïtadana.La personne qui détient la recette se trouve au village Keilin. Le village Keilin. Bon, ben, on va aller voir où c'est. Alors, les repas complets sont des repas spéciaux qui offrent les meilleurs effets de repas. Pour préparer un repas complet, il te faut les ingrédients et des recettes.Les repas complets sont plus difficiles à cuisiner que les plats normaux, mais ils renforcent davantage les stats et les effets de repas. Seul Shishi est capable de préparer des repas complets, mais ils font la différence sur le plan de la force. Donc n'oublie pas d'aller la voir quand tu passes à la maison. Les interludes représentent des moments de liberté entre les chapitres de l'histoire principale. Tu peux utiliser ce temps libre pour récupérer des objets, t'entraîner et finir des histoires secondaires avec plusieurs personnages. C'est aussi le moment idéal pour te préparer à la suite. L'interlude prendra fin en allant discuter avec un personnage spécifique. Ok, on va faire l'interlude un peu parce que... La viande que... Qu'est-ce qu'il veut lui ? Le roi taureau. Yambardazo ! Vite ajuste... Ah ! C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Attendez.C'est où déjà? Maintenant, faut juste que je me rappelle où c'est. Enregistré sur la palette. Non. Ah. Voilà. On met sur la palette. Oh, attends, alors, il faut aller où, là? Il faut aller... C'est par là-bas, je crois. Non, je me mets dans le mauvais sens, là.Je pourrais m'occuper aussi des ennemis comme ça là.
Donc, tu peux éclater, voilà. Ah, les petits ennemis éclatés là. Voilà. Ça fait un petit peu d'XP, c'est pas grand chose, je suppose, mais bon. Ça fait un peu d'XP. C'est mieux que rien. Ah, mais non, c'est peut-être pas du tout. C'est peut-être pas sur cette planète en fait. Attends, c'est peut-être pas ici. Impossible des accompagnements pour le moment. Ah bon? Ok. C'est bon d'utiliser cette zone. Pourquoi il veut pas aller sur la carte du monde? Parce qu'il y a des ennemis à proximité, c'est quoi le délire? Des zones de ravin, il y a des autres objets, il y a des mondes 4 ramassés, tu devras aller voir. Ok, bon, c'est cool les petits moments un peu de calme en fait. En dehors du sport, c'est pas mal ça. Ils sont 3. C'est pas la peine de lâcher ça. Ok, ça dégage. Je sais pas où aller en fait. Voilà, pour le plaisir de faire tomber un rocher. On a suivi. Ils m'ont suivi. Ok, super. C'est l'attaque la plus éclatée de l'histoire. Hein. En fait, quoi t'as bon pour toi ? Allez, ça dégage. C'est bien les combats où tu galères pas, en fait j'aime bien. Les combats où tu galères pas, j'aime bien. Attends, je peux pas bouger là? Non, c'est pas ça. Je peux pas changer de... Vous avez la carte du monde, pourquoi? Mais je dois aller où en fait là? Attends, c'est quoi la quête? Récupère la recette auprès de la chef excentrique du village Kililin. C'est qui ça, c'est où? Ah ouais, c'est peut-être pas... Ah mais c'est là! Mais c'est ça non? Village Kililin, ben c'est là, mais je peux... Attends... Je dois... Ben c'est là. En fait, je peux y aller, mais je sais pas, tout à l'heure, c'est bizarre. Là, j'ai l'impression d'être bloqué, là. Ah, tu es au bon de quitter cette zone. Voilà. Pourquoi il me dit que je quitte la zone? Il est fou, lui. Atterri. Alors, chef, je cherche une recette. Tu connais bien ma maman, pas vrai? Konnichiwa. Konnichiwa. T'as même des nombreuses fois. C'est quoi? Attends, mais c'est très pas habitant, crois-moi. Ouais. Ok. Ouais, c'est mieux de me l'écrire parce que je vais oublier sinon. Et voilà. Recette repas viande. Plat de boucher supplément. Ah, rôti sur l'os. Tofu brûlant. Ça me gêne de prendre tout ça. Cette femme est vraiment bizarre. Moi, j'aime pas les gens bizarres. On va voir ce qui se cache ici. Konnichiwa. Il paraît qu'il est arrivé quelque chose d'horrible à une ville lointaine. J'espère que les habitants s'en sont sortis. Ben j'espère aussi, hein. Je t'avoue que je suis pas au courant de ce qui se passe. C'est quoi que je ramasse? Ah, des oignons. On va ramasser. On sait jamais. Ah. Konnichiwa. Salut, madame. Femme enquête à propos du dépeuplement.
Ok. Mais pourquoi pas. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire ici. Ah, il y a juste ça peut-être à récupérer. Oui. Ah, cochonou. Qu'est-ce que j'ai fait là, cochonou? Oulong. Je voulais me rendre au village, situé un peu plus loin, mais j'ai été soufflé par Servin. Hein. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, rien. Continue ta vie, il se passe absolument rien d'intéressant. Allez, let's go! En fait, quand je passe ici, ça me dit que j'ai quitté la zone. C'est complètement... Ah, mais je commande. J'ai l'impression que ça m'a TP de l'autre côté de la montagne. En fait, il veut pas que je traverse la montagne, c'est ça? C'est un peu débile, non? C'est pas évident de voler droit. Ok, ok, stop, stop, stop. Je crois que j'ai cassé une montagne. Ah. Quoi ici? Frappe écrasante. Coup consécutif au corps à corps inflige de gros dégâts d'étourdissement et de brise-garde. Forme améliorée du Masenko, les dégâts sont augmentés. Attends. Apprends Masenko niveau 3. Apprends coup météore. Donc je peux pas les prendre en fait. Ah, il faut que j'aille m'entraîner. Il faut aller s'entraîner. Il faut absolument aller s'entraîner. Tablier en soi, je vais donner ça à Chichi. Attendez, on va donner le tablier à Chichi. Alors comment on fait? Ça c'est une grande question. Je pense que... Ah mais il y en a 3. Attends. Sélectionner. Oh, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut plus aller dans les personnages. Pas du tout. Communauté. Emblème. Ma petite Chichi. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est où qu'on donne les cadeaux? Tableau communautaire. Voir les bonus, voir des têtes de l'emblème. Ah, cadeau. Elle a peut-être déjà en fait le. Non, elle l'avait pas. Ok. Protéine de puissance, livre pour adultes, boussole de monde. Hein. Non, c'est bon, ça lui suffit. Ça lui suffit à ma petite Chichi. Entrer dans la maison de Son Goku. Alors. Oh, oh, quand je me rappelle de ça. Oh là là. Casque de Chichi. Ah bah attends. Casque de Chichi. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, casque de Chichi. On va lui donner... Est-ce qu'on peut lui donner son casque? Ah non, mais c'est pas dans les cadeaux. Ah mince. Bon, c'est pas grave. It's not grave. Préparer un plat, préparer un repas complet, bien sûr. Plat de viande, mais bien sûr. Ah, tant qu'à faire, autant faire un repas complet, non? Ah, là on parle, là. Là on parle. Ah oui. Ah oui, l'assiette est plus grande que lui. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Ça explique pourquoi ils aiment autant manger, les Saiyans. 625 PV, plus 1 de ki, plus 10 à l'attaque corps à corps. C'est pas mal, ça. Fait du repas 22,5% PV et ki XP. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ok. J'aimerais bien pouvoir changer de personnage. Allez. Ok, on va aller voir Tortue. On va aller voir Tortue Génial, on va rigoler un peu avec lui. On va aller voir Tortue Génial quand même. Un nouveau menu a été ajouté au camp d'entraînement. Ah, ça c'est intéressant. Il faut qu'on aille s'entraîner de toute façon. Oi,
おーい。はい。そうじゃ、孫悟空の息子よ、よく聞け、気をつけるんじゃ。太陽様が言った通りだ。Ah bon? Bon, ben on va y aller. Va à l'endroit. Ok, c'est là-bas. Go! On y va. Bon, gros, tu as détecté un qui maléfique. Qui peut bien. De qui peut bien émaner ce maléfique qui? Ah! Oh là là. Allez, c'est parti, un bon petit combat. Par contre, ils sont rouges, ça veut dire qu'ils sont plus forts que moi, non? Je sais plus, j'ai plus. Je crois que c'est ça, hein. Quand c'est rouge, c'est que c'est plus fort. Moi, je suis niveau 14. Ils sont à niveau 18. S'énerver. Voilà. On pense à un mode énervé et on y va. Ça... Oh putain, c'est vrai qu'ils font trois. On a bien fait de bouffer avant, mais je sais pas si ça sera suffisant. Raté. Je sais même pas ce qu'il a comme coup météore, impact mort corporel. Mais non, on a l'air complètement éclaté, mais c'est pas grave. Ok, ça c'est dead. J'ai raté le fusil. Non, j'ai raté le fusil. Pas évident, hein. Je parle pas beaucoup là parce que je suis hyper concentré, j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Et j'avoue que dans ce jeu... Oh, poupou, il m'a fait mal. Il m'a fait mal mais j'ai fini. Ok, rang A. Je comprends pas tout, hein. Je comprends pas encore tout. Mais on essaye. Si jamais tu te retrouves face à quelqu'un comme ça, débarrasse-t'en sur le champ et attaque contre toi. Ok. Des super ennemis malfaisants sont apparus partout dans le monde. Tu en trouveras plusieurs dans chaque zone. Une fois que tu les auras tous battus, d'autres adversaires encore plus puissants arriveront. Consulte ta carte. Ok. Bon là, j'ai surtout faim en fait. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Est-ce qu'on peut bouffer quelque chose là? Parce qu'il serait peut-être temps de manger un truc, non? Allez. Ah mais ça m'a pas remis. Je sais pas. Attends, j'ai mangé quoi? Plus 1000 au PV. J'ai peut-être pas mangé ce qu'il fallait. Mais ça m'a rien remis. Ça me dit plus 1000 au PV, ça m'a rien remis. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas de compris. Ouais, zone ouest c'est bon. Ok, zone occidentale, d'accord. Ok. Ah, zone du palais divin, on peut aller là-bas aussi si on veut. Sommet de la tour Karine. Ah, ça m'intéresse par contre. On va aller là. On va aller chez monsieur génial, chez monsieur tortue. Tu préfères éviter de combattre des ennemis plus faibles que toi, tu peux les éliminer instantanément grâce au vol accéléré. Ah, t'as qu'à ça. Allez, monsieur génial, qu'est-ce qu'il a à me dire? Konnichiwa, Kamusen. Oh, Gohan ka. Hai. Ore.
sont partis à la recherche de quelqu'un. イデン家に居候しとった女の人。天津飯を追いかけて出て行っただけに、それでクリリン。何かあったんですか？さっき テレビを見とったら西宮湖の中継所から西宮湖に。そうなんですね。お、それはランチさんは飛び切りの美人での、それからタンクトップに短パンのピチピチした。わらら、génial、voyons。 Vous avez 92 ans, monsieur génial, calmez-vous. C'est plus votre âge, monsieur génial.